Bon, Federico, on est ici un peu chez toi, chez vous, avec un collègue. Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on peut manger? Alors ici, on mange de la bonne cuisine. On fait une cuisine de la Méditerranée parce que nous, on est italien. Vous êtes italien, les deux d'origine? Les deux d'origine d'italien. On s'est connus depuis qu'on est enfant, donc on est grandis ensemble. D'accord. On est des amis de longue date. Et du coup, vous faites des bonnes pâtes? Ouais. Je sais, je mange souvent ici. mais il y a autre chose, parle-moi un peu de la cuisine. On fait des bonnes pâtes, comme tu l'as dit, on fait aussi des falafels. On a choisi une cuisine un peu healthy, donc voilà, on utilise beaucoup de légumes frais, tout est frais. C'est très tendance, c'est la tendance en ce moment. Exactement, donc du coup, on propose une cuisine à emporter. Vous pouvez manger sur place, mais aussi à emporter. Ok, ben, c'est parfait. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Merci à toi. Bien, comme toujours. Bien, est-ce que tu peux me parler un peu du concept ici, de ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on y mange? Alors, le concept c'est américain, un restaurant américain, donc on a les choses qui sont plutôt américaines, comme les cheeseburgers, le pulled pork, les choses comme ça. D'accord. Et au fil des années, parce que ça fait presque 5 ans qu'on est ouvert, on a changé un peu, on a dit un peu plus vers tout ce qui est bon pour la santé. Okay, donc il y a un peu plus voilà. Plus dans l'air du temps. J'aime bien manger comme ça, donc on a ça sur la carte aussi. Du coup, qu'est-ce qui vous a fait vous installer ici à Biarritz et particulièrement dans ce quartier-là que l'on se... Alors, on a commencé dans les Halles et après on a acheté ici. Ça fait presque 5 ans qu'on est en centre-ville et le centre-ville, Place Clemenceau, c'est le centre de Biarritz. Ouais, donc il y a de tout, il y a les commerçants, il y a les gens qui font le shopping, il y a les surfeurs parce que la plage c'est juste à côté. Donc c'est super comme quartier et on est très très content d'être là. C'est impeccable. Merci. De rien. Inès, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta librairie? Ça fait longtemps que tu es ici. Oui, ça fait une dizaine d'années. J'étais d'abord employée de cette librairie. D'accord. Et la librairie a failli fermer. Et avec ma collègue, on a décidé d'essayer de faire quelque chose pour sauver l'endroit. Donc on a repris donc, la librairie. Passionnée de lecture et de livres. Passionnée et de l'endroit. Exactement. Et de Biarritz, du coup, j'imagine. Et un petit peu de aussi. Biarritz, et par le biais de ce lieu emblématique. Et vous y plaisez ici? Oui, c'est un quartier qui vit énormément. C'est un quartier qui a un double avantage. Il y a à la fois beaucoup de gens de passage, des touristes, des surfeurs, et puis notre petite clientèle de quartier qui est là toute l'année, même un dimanche au mois de janvier quand il pleut et que personne n'a mis le nez dehors. D'accord. Donc c'est pour ça c'est un quartier super. Super. Oui. Mais merci beaucoup. Avec plaisir, merci.